Tu as de la fièvre, toi? Non. J'ai chaud, tout simplement. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. C'est qu'on ne trouve jamais ce qu'on veut, ma fille. C'est la vie, tout est fermé. Tu as acheté une nappe? Oui, j'ai acheté une nappe. En plastique. Elle est un peu grande. Mais non, elle ne sera pas trop grande pour lui. Tu as vu ça? Devine à combien? 600 balles. Ils ne perdent pas d'argent dessus. Tiens, on va l'entamer. Ça fera plus naturel. Et puis non, ça sera bête de le perdre. Tiens, ça te donnera un coup de fouet. Tu as tort. C'est pas mauvais du tout. On y met de l'eau, d'habitude. Oui, mais ça serait bien dommage. Passe-moi la petite bouteille. Tu crois qu'il ne sentira rien? Penses-tu? Avec ça, il dormira comme un loir. Es-tu sûre que cela ne laisse aucune trace? Certaine. C'est un somnifère, il le digérera. Tiens, c'est son train qui passe sous le pont d'Ackermann. Va poser ça là-bas. Arrête! Je t'en supplie, arrête. C'est trop affreux. Mais il faudra bien la remplir. Je ne pourrai pas. Je sais que je ne pourrai pas. Pas aujourd'hui. Il le faut. Et tu le sais aussi bien que moi. C'est soit aujourd'hui ou jamais. Alors jamais. Abandonnons. C'est au-dessus de mes forces. Comme tu voudras. Seulement, je te préviens. Si tu le rates, lui ne te ratera pas. Surtout après ton coup de téléphone.